Mesdames, messieurs, bonsoir. On a tous en mémoire un Noël de notre enfance, un Noël gai et féerique, ou un Noël plutôt triste et gris. Maurice Béjart a lui aussi en mémoire un Noël de son enfance. Et il a voulu en faire un ballet autour du ballet le plus mythique qu'il soit, c'est Casse-Noisette. Alors à la veille des fêtes, ici à la salle Métropole, Maurice Béjart va nous offrir son Casse-Noisette. Et puis ce soir, comme cadeau, il va nous offrir des évocations de son enfance, une partie des répétitions de son Casse-Noisette, et puis un bout de travail qu'il fait avec l'accordéoniste Yvette Tornère. Alors Maurice Béjart, bonsoir. Bonsoir. Alors Maurice Béjart, vous nous offrez en ces veilles de fête un grand cadeau de Noël ici à la salle Métropole, c'est Casse-Noisette, votre Casse-Noisette. Alors ce grand classique, ce grand ballet du répertoire classique, créé il y a plus d'un siècle par des grands comme Tchaïkovski, Petipa et Ivanov, vous le revisitez, pourquoi au fond? Pourquoi vous avez eu envie de... Mais d'abord c'est une très très jolie musique. C'est peut-être la plus jolie musique des ballets de Tchaïkovski, la plus raffinée, la plus subtile. Et puis tout d'un coup, j'ai eu des vagues de souvenirs d'enfance. Et comme le thème du ballet, c'est quand même le thème de Noël, qui est actuel, le thème de l'enfance, le thème de la magie. Et j'ai retrouvé des tas de choses, des tas de souvenirs, des tas d'images de cette époque que j'ai vécue, qui étaient à la fois douloureuses, puisque ma mère est morte lorsque j'avais 7 ans, et qui était aussi magique parce que les enfants constamment créent un monde magique, et parce que tout petit, je voulais faire du théâtre, et parce que j'avais un théâtre de marionnettes, j'avais un petit théâtre amateur. D'ailleurs, on voit dans le ballet ma grand-mère qui parle de mon théâtre et qui raconte comment je jouais des pièces à l'époque. Donc c'est un retour, je retombe en enfance. Alors, votre Casse-Noisette, c'est non plus l'histoire de Clara, la petite Clara qui s'endort au bord de son sapin avec son Casse-Noisette, oui. Mais c'est le petit Bim, c'est vous au fond. Oui, et ça vient aussi de la mémoire, parce que y a la fameuse Madeleine de Proust. Les noix sont le dessert traditionnel de Marseille. Et mon père me montrait que l'intérieur d'une noix est comme un cerveau humain. Et donc, en mangeant une noix, je retrouve la mémoire, je retrouve la vision de ces Noëls d'enfance, de ces Noëls en famille, la mère, le père, la grand-mère, la sœur, ma sœur que j'aime beaucoup, qui va venir voir le ballet à Lausanne. Alors, c'est une histoire de souvenirs, d'enfance, mais c'est aussi un parcours initiatique au fond Casse-Noisette. Oui, parce qu'il y a un personnage que curieusement, j'ai découvert très tôt, c'est Faust. J'ai des photos d'enfance, d'ailleurs, qu'on voit dans le ballet, où, très jeune, je m'habillais en Méphisto, et j'habillais ma sœur en Faust, rajeunie. Et donc, ce thème de Faust qui m'a suivi, j'ai fait 3-4 ballets sur Faust. J'ai monté à l'Opéra de Paris La Damnation de Faust de Berlioz. Donc, c'est une espèce de parcours initiatique qui a commencé très tôt. Je ne sais pas vraiment à quel âge, mais j'ai lu Faust à l'âge où les gens lisent Tintin. Alors, il y a Faust dans votre spectacle, mais il y a aussi Félix le chat, et puis il y a Marius Petipa, le parrain de ce petit Bim. Mais Marius Petipa, c'est un grand chorégraphe, peut-être le plus grand de l'époque, et qui était, comme moi, marseillais. Donc c'était devenu pour moi un mythe aussi. Et je suis parti en Angleterre dans une compagnie classique pour étudier avec son successeur, Nicolas Sergueïev, ses chorégraphies. Donc c'est important dans la danse, la transmission. Quand un maître vous transmet un bagage, et puis on le transforme, on le recrée, on le mange, on le digère, on le redonne. Mais c'est grâce au ballet classique de Marius Petipa que j'ai pu découvrir la danse moderne et faire le boléro ou le Sacre du Printemps. Et alors, au fond, c'est lui rendre hommage que de restituer le pas de deux tel quel dans ce Casse-Noisette? Oui, parce que ce pas de deux, c'est une des premières choses que j'ai fait là-bas. Et curieusement, quittant Londres, j'étais invité à Stockholm, dans les ballets Kohlberg. Et l'opéra m'avait dit, mais il paraît que vous connaissez la chorégraphie originale de Casse-Noisette de Marius Petipa. Et j'ai remonté ce pas de deux à l'opéra de Stockholm, alors que j'avais 22 ans. Mais j'étais un bien jeune maître de ballet. Alors, ce pas de deux est fidèle à l'original, mais oui. Le reste, c'est vous. Vous partez dans votre imaginaire et vous partez dans les voyages aussi. C'est votre parcours, votre carrière. C'était vos rêves d'enfant de voyager aussi?
Je crois. Enfin, en tout cas, j'ai toujours aimé beaucoup voyager. J'ai besoin de voyager. Il y a un très joli proverbe iranien que cite Nicolas Bouvier, qui dit « Si tu veux être honoré, meurs ou voyage ». Alors, pour l'instant, j'aime autant voyager. Oui. Alors, et puis dans ces voyages à la France, évidemment, retour à la France, c'est votre enfance aussi. Et pour évoquer la France, vous avez fait appel à Yvette Horner. C'est une surprise. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé... On ne sait pas vraiment, vous savez. Dans les spectacles, on met ce qu'on aime. Et c'est vrai que j'aime Yvette Horner. Mais c'est vrai aussi que j'ai beaucoup de souvenirs d'enfance d'orchestre populaire où jouaient mon oncle, mon père et ma marraine. Je jouais de l'accordéon. Donc, il y a aussi un côté de retrouver... Marseille est une ville où on avait en même temps... Mon père était pourtant un philosophe, professeur, mais qui avait un côté très, très, très simple, très populaire. Il adorait les bals du samedi soir, les dimanches, la buzette. Donc, c'est un retour aussi à un monde que j'ai connu et aimé. Et la féerie de Tchaïkovski, elle rejoint un peu la féerie de l'accordéon d'Yvette Horner? Mais vous savez, l'accordéon, c'est un instrument populaire et Tchaïkovski est un auteur très populaire, mais très, très en Russie. On le chante dans les rues, c'est la musique populaire. La valse des fleurs, d'ailleurs, tout le monde la connaît. Et il y a le côté paillette qui est aussi significatif du retour à l'enfance, non? Les souvenirs. Oui, mais là aussi, c'est à la fois le retour à l'enfance et j'ai toujours aimé beaucoup le music hall. J'adore le music hall et j'adore voir les vraies revues comme faisait Joséphine Baker, qui était d'ailleurs en métropole, je crois. Effectivement, ouais. C'est plein de souvenirs ici aussi. Oui, plein. Alors, vous avez présenté Casse-Noisette en première à Turin en octobre dernier. Ça a été un succès magnifique. Et la presse italienne a parlé d'un spectacle félinien. Est-ce que c'est un peu votre amarcor, ce spectacle? Oui, bien sûr. J'adore Federico. C'est un ami. Enfin, c'était un ami. Ça reste un ami. C'est quelqu'un qui m'a formé, qui m'a donné ce goût de la féerie, de la fantaisie. On a partagé Nino Rota plusieurs fois. On a le même amour du cirque, le même amour d'une certaine folie. Et puis là aussi, c'est vrai qu'à Marcord, il y a le côté souvenir d'enfance. Merci Maurice Béjart. Merci. Danser, c'est avant tout communiquer, s'unir, rejoindre, parler à l'autre dans les profondeurs de son être. La danse est union, union de l'homme avec l'homme, de l'homme avec le cosmos ou de l'homme avec Dieu. Le langage parlé reste du domaine de l'illusion. Les mots, lorsque nous croyons les comprendre, nous cachent des images trompeuses, nous entraînent dans le labyrinthe toujours recommencé de la sémantique de la tour de Babel. Lorsque les hommes se mettent à parler, longtemps, il y a plus souvent dispute que accord parfait. Et puis danser, c'est parler le langage essentiel des animaux, communiquer avec les pierres, comprendre le chant de la mer, le souffle du vent, découvrir avec les étoiles, s'approcher du trône même de l'existence, c'est transcender totalement notre pauvre condition humaine pour participer intégralement
à la vie profonde du cosmos. Et simplement vous dire mon amour avec mes gestes.
Thank you.
That's all, folks.